Retrouvez toutes les émotions du sport avec GDF Suez, partenaire du tennis féminin. Si 2-3-0, il ne se passait rien, j'étais vraiment pas rentrée du tout dans le match. Voilà, ceci dit, je jouais bien, moi je jouais court, j'avais les jambes très très lourdes. Là, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage de finir sur une note médiocre, je dirais, alors pour le moment, le tournoi se passe à merveille. J'ai fait 4 super bons matchs, au moins essayer de finir sur quelque chose de sympa, c'est de faire péter quelques coups droits. Et c'est un petit peu mieux, puis j'ai commencé à grappiller quelques points, quelques jeux, et la tendance s'est inversée. Ce qui m'a surprise un petit peu, c'est qu'elle a commencé à commettre 2-3 fautes de suite, et après, j'ai l'impression qu'elle a complètement plongé, si ce n'est qu'effectivement, plus le match avançait, plus je jouais long, plus mon jeu était percutant. Mais elle a quand même pas mal d'avant. Vous avez conscience que là, vous êtes la belle histoire de la semaine? Ouais, c'est fabuleux que je sois la belle histoire. Ouais, la belle histoire de la semaine peut-être. En tout cas, personnellement, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, il y a quelques temps, je me posais des questions et j'avais envie de... Voilà, je ne sais pas quand est-ce que j'arrêterai. Ça peut être dans, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Mais au moins, je voulais revivre quelque chose de sympa, d'émouvant. Et là, je le vis aujourd'hui, donc c'est fabuleux. Je suis très satisfaite de ma carrière. Depuis mes débuts, je suis restée un petit peu sur ma fin là, ces derniers temps. Je n'étais pas satisfaite de moi. Et là, ça me fait vraiment plaisir de toucher quelque chose. Donc finalement, je rêvais au moins. Et là, je le fais cette semaine. Et donc, j'espère que ça va continuer. À la fin de la rencontre, vous êtes allé taper dans des mains. Signer des autographes, c'était un peu fabuleux quoi, cette ambiance, ça faisait leur campagne presque pas, mais interclub, on en parlait tout à l'heure, il y a une sacrée ambiance pour le numéro 1 quand même. Oui, il y a une belle ambiance, j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont mes amis, je trouve forcément sympathiques, mais qui me soutiennent énormément. C'est pas juste des potes comme ça, on va boire un verre, on va dîner et basta, il y a vraiment un soutien, et donc vraiment je leur dis vraiment un grand merci. Et le club est à côté, et il y a beaucoup de gens du club qui sont venus, il y a une belle ambiance club au TCP, et c'est toujours touchant de les voir sur le bord du cours, il y a même des enfants, qui ont 12-13 ans, qui sont bien jeunes, et qui sont là, qui me supportent notamment, et ça c'est vraiment sympa. On extrapole, un quart de finale ici, vous savez que c'est la Wimbledon, c'est les Parisiennes maintenant, mais là vous êtes dans votre club pratiquement. C'est vrai que j'ai appris qu'elle était parisienne, mais moi je suis encore plus parisienne qu'elle. Et je me souviens plus de la question. Non mais justement, qu'est-ce que ça peut apporter comme ça d'avoir un public qui sera plus derrière vous après? Un plus. De toute façon, moi j'ai rien à perdre depuis le début. Donc demain j'ai une journée de repos, je vais essayer de bien la gérer. Pas trop non plus m'endormir, je vais essayer de prendre des massages, essayer de bien récupérer. J'ai rien à perdre de toute façon vendredi. Donc à moi de m'éclater, à moi de me lâcher, essayer de me lâcher en coup droit, essayer de faire quelque chose de sympa, et puis histoire ça va. Ça peut être une belle mort, entre guillemets. C'est pas une belle mort. C'est un blague, c'est une guerre mondiale. Pour moi, même moi, si je perds vendredi, tournoi extraordinaire. Je veux dire, je sors des qualifs. Pas inespéré, ce que j'ai travaillé pour, mais bon, vu les résultats ces derniers temps, c'est un peu inespéré. Si je termine le tournoi vendredi, effectivement, contre Williams, sur le central, qui est numéro 1 mondial, c'est magnifique. Retrouvez toutes les émotions du sport avec GDF Suez, partenaire du tennis féminin.